Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur GMyTrulla, de votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus y affinité. Aujourd'hui, je vous donne encore plus d'informations sur The Division. C'est parti. Dans le cadre de ce numéro, nous allons regarder de plus près les modificateurs, ou les mods pour les intimes. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement des objets qui vous permettent d'améliorer votre équipement, que ce soit les armes ou l'armure. Et ces mods sont présentés sur deux catégories. Les mods d'armes, que voici. Et les mods d'armure, que voilà. Vous avez plusieurs manières de pouvoir les acquérir. Soit en récompense de mission. Soit auprès d'un marchand, comme celui qui est dans votre base. Les meilleurs produits de la ville. Soit en tuant vos adversaires. Ou alors, et la manière la plus simple, on va dire, la plus pratique, c'est d'en fabriquer. Le fonctionnement est très simple. Il vous suffit tout simplement d'ouvrir votre inventaire, de choisir la pièce d'équipement que vous voulez modifier. Si c'est une arme, vous cliquez dessus. Ensuite, vous choisissez l'arme voulue, par exemple AK-47, on appuie sur F. Et là, c'est indiqué les différents emplacements où vous pouvez imbriquer vos modes d'armes. Donc, par exemple, on peut aller voir le viseur, on appuie sur espace, on regarde les différents modes que nous possédons. Et bien entendu, le choix va dépendre de ce que vous voulez faire de votre arme. Et certaines armes demandent certaines statistiques que d'autres ne demandent pas. C'est-à-dire les armes lourdes comme la mitrailleuse légère, ou le fusil d'assaut comme le AK-47 demande de la stabilité, donc il faudra privilégier ce genre de statistiques là. Donc pour le viseur, ce sera plutôt la précision ou les dégâts headshot, etc. Donc vous verrez qu'est-ce qui est beaucoup mieux ou pratique par rapport à votre gameplay. Pour notre AK-47, par exemple, on va aller pour les dégâts de headshot et les probabilités de tir critique. Ou si nous avons quelque chose de mieux au niveau des pourcentages, on va aller pour le 21-50. Ou le 22. On va aller pour le 22. Et vous voyez bien entendu que la statistique change ici, au niveau de DPS, donc les dégâts par seconde. Bien entendu, c'est une évaluation. C'est pas dit forcément que vous ferez ces dégâts-là, mais c'est à peu près, c'est pour vous donner une idée. Donc on va aller pour ça. Et ensuite, on va aller pour la bouche. Et là, nous avons le compensateur, contrôle de recul horizontal, probabilité de tir critique. Ou alors, on va aller pour quelque chose de beaucoup plus stable. Et nous avons stabilité, 36% et 50%. Et... ouais, ce sera le meilleur choix normalement pour le AK-47. Par rapport à ce qu'on possède, bien sûr. Et ensuite, au niveau du sous-canon, on va aller pour encore la stabilité. Et la précision, ça aide également. À noter que dans ce jeu, la précision influe surtout sur... la vitesse de recentralisation de votre réticule, et non pas sur votre capacité à cibler un ennemi. Donc on va aller pour la stabilité encore, on va aller le DPS augmenter, et ensuite on va aller au niveau du chargeur, on va prendre grand chargeur, ou lui, pour augmenter là, on va prendre plutôt celui-là. Taille du chargeur et cadence de tir. Et voilà, donc vous voyez, on a les stats qui ont été modifiés, le DPS, la cadence de tir, et le nombre de balles de notre chargeur. Voilà. Et ensuite, on peut rajouter, bien entendu, un skin, si vous le désirez. Donc, j'en ai plusieurs ici. Je peux mettre du blanc, ou du rose, ou du rouge, pour aller avec l'ensemble de mon équipement. Et on valide avec la barre d'espace. Et voilà. Et ensuite, on peut appuyer sur F pour visualiser l'ensemble. Voilà. Donc, notre arme a été modifiée totalement. Il faut prendre note que ce n'est pas toutes les armes qui ont beaucoup d'emplacements. Par exemple, si on va pour le Magnum... vous voyez que le seul emplacement que vous possédez pour un Magnum, que vous offrez un Magnum, pardon, c'est le mode de skin. Ceci est une annonce des services d'urgence. En raison du risque d'infection élevé, toute activité sportive de groupe est interdite. Merci de ne pas former de groupe de grande taille. Où il y a lui qui vous donne juste deux emplacements pour la bouche. Et le skin. Au niveau de l'armure, c'est beaucoup plus restrictif par rapport aux modifications que vous pouvez faire. Par exemple, si on prend ce veston, vous voyez qu'il est indiqué qu'il n'y a qu'un seul emplacement de mode.
tandis que celui-ci n'a pas d'emplacement de moule. Il faudra passer par la recalibration pour espérer lui en donner un. Pour lui, c'est bugué, je pense, parce qu'il a bien un mode d'insérer. Par contre, c'est pas indiqué qu'il y a un emplacement de mode utilisé. Et celui-là, il en offre carrément 3. Donc tout cela est aléatoire, bien entendu. Alors comment ça se passe pour pouvoir en mettre un? C'est très facile, c'est comme pour les armes, vous appuyez sur F. Et là, il lit des modes que vous possédez dans votre sec. Et à ce moment-là, vous choisissez celui qui vous sied, bien entendu. À la différence des modes d'armes, celui-ci va plutôt jouer essentiellement sur les attributs, que sont le DPS, les résistances et la puissance de la compétence. Ou surtout, armes à feu, endurance et électronique. Donc par exemple, celui-là, ce veston, il possède déjà, si ça bug pas, attendez, on peut pas revenir. Voilà, voilà celui-là. Donc ici, je vais plutôt appliquer un mode prototype d'endurance. Donc ça va rajouter, bien entendu, des points d'endurance à notre armure. Comme c'est indiqué. Sinon, je pourrais aller avec les armes à feu. Là, on vous indique combien vous allez gagner de plus et qu'est-ce que vous allez perdre. Et par rapport au bonus aléatoire ici. Sinon, on peut aller pour composants électroniques, comme ça. Donc, vous pouvez valider avec la barre d'espace et voir qu'est-ce qui s'y est par rapport à votre gameplay ou par rapport à ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez jouer plutôt offensif, c'est sûr que vous allez privilégier les armes à feu. Si vous voulez plutôt jouer tank, ce sera l'endurance. Si vous voulez jouer soutien, ce sera plutôt l'électronique. Mais tout va dépendre aussi si vous voulez activer les talents d'armes. C'est comme vous pouvez le voir ici, il y a des prérequis pour activer un talent d'armes. Là, on demande 1417 en armes à feu et 1889 en endurance. Par exemple, pour lui, il me faut 1889 en électronique. Donc, avec les modes, vous pouvez bien entendu essayer d'atteindre ces prérequis-là pour pouvoir activer vos talents. Et généralement, c'est ça à quoi ça sert, surtout. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple le principe même. Mais la partie la plus compliquée, c'est bien entendu la fabrication. Comme tout ce qui touche à The Division à ce niveau-là. C'est-à-dire, tout est distribué aléatoirement. Si jamais vous désirez un mode d'arme en particulier. Par exemple, vous voulez augmenter la stabilité de votre arme, vous allez bien entendu choisir le mode qui offre cette stabilité-là. Donc à ce moment-là, vous venez ici, vous regardez. Qu'est-ce qui m'apporte? Ah, vous avez par exemple celui-là. Mais c'est la précision, donc ça ne nous aide pas beaucoup. Lui, stabilité. Donc à ce moment-là, vous avez une stabilité, bien entendu, le pourcentage de stabilité sera aléatoire et il y aura un bonus aléatoire. Il peut arriver que vous ayez un bonus qui ne vous plaise pas du tout. Et donc à ce moment-là, il faudra vous y répondre à plusieurs reprises pour espérer obtenir le mot d'arme espéré. Et donc ça a demandé beaucoup de temps parce que ça coûte cher de pouvoir fabriquer des objets de haute qualité. Sinon, vous pouvez bien entendu vous contenter de quelque chose de beaucoup plus faible, mais votre arme sera également moins efficace que s'il avait un mot d'arme de haute qualité, bien sûr. Et on peut faire un essai, mais on va choisir quelque chose de qui coûte pas trop cher. Parce qu'honnêtement, c'est chiant de farmer les ressources. Alors, les matériaux, je veux dire. Par exemple, lui, voilà, prends quelque chose avec bonus aléatoire, comme lui, par exemple. Okay? Donc, vous avez porté optimal. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez fabriqué ce viseur holographique 552, vous avez toujours une portée optimale comme attribut. Et ensuite, il y aura un bonus aléatoire qui va varier selon les probabilités. Là, vous avez 7% portée optimale et 3,50% de probabilité de tir critique. C'est pas mal celui-là, parce qu'il peut arriver que vous ayez quelque chose de beaucoup plus moche. On va voir quelles sont mes chances. Voilà, c'est la précision. Ce sera à vous de choisir. Est-ce que c'est mieux la précision ou c'est mieux les probabilités critiques ou autres attributs. Donc, tout dépend de ce que vous désirez, bien entendu, apporter à votre arme en question. Par contre, pour les modes d'armure, c'est beaucoup plus simple en quelque sorte. Là, vous allez plutôt rechercher à obtenir la valeur maximale d'un attribut. Okay. Par exemple, schéma en mode de matériel, ici ce sera aléatoire. En fait, c'est le jeu qui va décider quel attribut sera distribué. Celui-là, la même chose. La spécificité au niveau de l'attribut des modes d'armure n'apparaît que lorsque c'est un mode de haute qualité. Mais par contre, pour le reste, c'est aléatoire. Imaginons que je veuille un mode qui m'apporte de la résistance, l'endurance. D'accord. Donc, on va essayer d'avoir celui-là, par exemple. Ah, je l'ai eu. Bon, c'est plus 9. Mais on peut espérer d'avoir un peu plus. Peut-être 12. Bon, là, c'est... voilà. C'est facile au niveau électronique. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans ce jeu, malheureusement. Et donc, il faut faire avec.
Voilà, donc c'est comme ça que vous allez faire vos affaires. Donc vous fabriquez vos modes et ensuite vous les appliquez à votre armure ou bien à votre arme. Et vous verrez qu'est-ce qui est plus intéressant ou pas. Par rapport non seulement aux ressources, mais également aux restrictions par rapport au niveau de votre personnage. Comme vous pouvez indiquer, c'est niveau 25, etc. Niveau 13 et tout le reste. Si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez bien entendu démanteler ça. En appuyant sur X pour moi. Et vous obtenez un composant électronique qui vous servira plus tard. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire au niveau des modificateurs ou modes dans votre division et comment ça fonctionne, comment les obtenir. Merci de votre patience et de votre générosité d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien comme d'habitude. N'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao et bonne année. Et bien entendu, il faudra l'utiliser sur les boss parce que là, vous aurez le temps nécessaire pour pouvoir décharger tout votre magasin sans devoir vous cacher. Généralement, c'est ce qui arrive. Le fusil à pompe.